Il n'est plus à présenter dans l'univers médiatique togolais. Germain Pouli, actuel directeur de publication du journal Togo Réveil avec près d'une trentaine d'années d'expérience. Expérience qui compte mettre désormais au service du Conseil national des patrons de presse, CONAP, en tant que président. Seul en course à son poste, il a été élu à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce 23 septembre 2023 à Lomé. En poste pour un mandat de 2 ans, il succède ainsi à Arimi Aoutianyao, arrivé au terme de ses mandats comme le prévoient les tests de l'organisation. Un mandat que le nouveau patron du CONAP place sous le signe d'une presse libre et développée, surtout sur le plan économique. Nous allons rester dans la continuité tout en apportant de l'innovation. Parce que la presse togolaise, tout comme la presse dans de nombreux pays, fait face aujourd'hui à de nouveaux défis, que sont notamment la montée en puissance des réseaux sociaux et puis la faiblesse économique de nos entreprises. Nous devons travailler ensemble aujourd'hui pour innover, pour repositionner la presse togolaise, la rendre plus vivante, la mettre au service de nos sociétés, parce qu'à la fin de nos mandats, tous les organes de presse deviennent de vraies entreprises de presse, qu'elles deviennent productives et qu'elles fassent aussi des bénéfices comme toutes les entreprises. Et l'un des chantiers, c'est notre programme triennal de diversification des activités. Déjà, il est prévu pour très bientôt l'installation des coordinations régionales et d'un haut conseil du CONAP visant à faciliter le travail sur le terrain. Germain Pouli aura à diriger une équipe de 12 membres au rang desquels le directeur de la première chaîne de télévision généraliste en ligne, Direct 7, élu au poste de vice-président chargé de la presse en ligne.